Bon les patounes, salut à tous. Me voilà avant le boss final de Metroid Dread. Je vais essayer, mais je pense sincèrement que je vais pas le faire. Clairement, le combat il dure un quart d'heure. Un quart d'heure sans faute, je peux pas, c'est pas moi. Encore les combats de boss avant, ils duraient 2 minutes max. Là ça dure un quart d'heure, j'ai vu sur YouTube. C'est juste de la folie. Je vais péter un câble, je vais péter la manette, je vais péter la Switch. Donc si j'y arrive vraiment pas, écoutez, je mettrai cette mini vidéo d'essai sur YouTube. Ce sera ridicule, mais au moins j'aurai essayé. J'aurai prouvé que j'ai essayé. Et puis auquel cas, il y a des vidéos qui existent du combat et de la fin. Et n'hésitez pas à aller checker. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà, donc je vais essayer d'y aller, on va regarder ce que ça donne. J'ai pas mis la caméra parce que ça sert à rien. Et c'est dimanche après, mais j'ai la tête dans le cul et tout, autant Itorache. Autant checker ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu, à savoir le jeu, et non pas ma testasse. Je précise avant que là... J'ai quand même réussi à avoir deux bombes en plus, deux super bombes en plus, et une capsule d'énergie, mais 1 sur 4, donc il m'en manque 3. Donc c'est bien ce que je me disais, il reste 3 quarts d'énergie à obtenir. Donc là je suis dans un vaisseau a priori. Ah, c'est de là d'où nous regarde Bec de Corbeau, je pense. Ok, on a ça au cas où. C'est bien, ça. Oui, j'ai quand même 211 missiles, 14 bombes et 1100 de vie, je crois. Ah, comme sauvegarde. Donc voilà, et Patoun, on arrive à la fin de Metroid Dread, qui m'aura quand même... 20 heures de ma vie, ce qui est plutôt pas mal, je m'attendais pas du tout à autant. Surtout que tout le monde disait oui, ça termine en 10 heures à peine. Vous êtes des PGM aussi. Oh, faut pas oublier que je joue à Animal Crossing et n'importe quel jeu indé. Quand il se passe quoi. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Passer, mais on peut pas... Ah! Ah bah super! Ah mais non, mais j'ai coupé le courant. J'ai niqué le courant, donc là on est bon là. C'est ça qu'il fallait faire. Je pense. Je vais récupérer ma petite bebon, on sait jamais. J'ai besoin de 14 bombes. Franchement, honnêtement, je vous le dis, le combat il me fait vraiment trop peur. Enfin c'est évident, j'ai déjà les mains qui glissent. Ça va être un enfer. Bah, j'ai coupé le courant. Qu'est-ce que... Ok, bah ça commence bien. Ah oui, bah non, mais il faut bien aller là-bas. Mais comment? Mais comment faire? On sauvegarde à 14 secondes. Bon, comme ça, vous voyez que je suis vraiment pas un PGM, je galère même ici. Enfin, je suis pas un PGM, je suis quand même arrivé à la fin du jeu, les patounes. Donc, s'il vous plaît. Alors attendez, parce que... Bombe de puissance? Pourquoi je peux pas l'avoir du coup? Ah mais... La loose! En fait, il n'y avait plus rien. Oh là 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 là.
Ah oui, d'accord, on n'était même pas encore... Ah ouais, là, c'est vraiment la fin de la fin. Oh là là, ce plan. Oh là là. Oh, putain. J'ai peur. J'ai peur, j'ai pas tout. Envoie les données. Il semble que ton ADN de Metroid t'ait changé en Metroid. D'ordinaire, cela aurait dû se produire immédiatement après le transfert d'ADN. Attendez deux secondes parce que... Je vais remettre le son dans le casque, comme ça je l'entendrai dans le casque. Tes gènes d'oie ont dû ralentir le processus. C'était la seule tribu capable de contrôler les Metroid. Bien que tu possèdes leur ADN, tu n'es pas une Towa. Tes prouesses physiques semblent indiquer que tu possèdes également de l'ADN Maokim. Ouais, non, c'est mort en fait, je peux pas. Or, les Metroid sont programmés pour identifier les Maokim comme des ennemis. J'en déduis que ta métamorphose s'est probablement produite en réponse à l'attaque de Bête de Corbeau. Sa présence a réveillé l'instinct meurtrier des Metroïdes. J'espère que du coup le son s'enregistre bien. Ta métamorphose s'est sinon, c'est un échec. Accélérée. Elle ne peut plus être contrôlée. Tu es désormais une Metroïde, Samus Aran. Tu es une Metroïde. Ton existence même constitue une sérieuse menace pour la galaxie. Ah bah sympa. Cependant, il n'y a rien à craindre. Tu peux toujours contribuer à la paix galactique. Il te suffit d'utiliser tes nouveaux pouvoirs correctement. C'est tellement stylé de l'avoir comme ça. À la lettre jusqu'à présent. Continue ainsi. C'est aussi simple que cela. Je suis très satisfait de ta performance sur ZDR. Comme je l'espérais, elle a éveillé tes pouvoirs Metroid. J'ai bien fait de t'épargner lors de notre première putain, rencontre. J'allais le dire. J'ai tout de suite en fait, Adam, c'est... Soumets-toi et offre-moi c'est Bec de Corbeau. Moi seul peux établir l'ordre dans la galaxie. Juste avant qu'il dise j'ai bien destin, fait. Samus, c'est un ordre. Je ne tolérerai aucune désobéissance. Et en fait, il parle via une intelligence artificielle pour parler en langage humain. Ouais, je pense que je vais faire un truc. Si jamais j'y arrive vraiment pas, je vais passer la vidéo du combat sur YouTube. Je vais la regarder comme ça. Je vais faire comme si j'y étais. Attends, je suis pas prêt du tout. Je suis pas prêt en fait. Oh non, ça va être tellement dur. J'ai perdu 3, je sais même pas comment tirer des missiles. Oh, j'ai même pas envie de me prendre la tête, regardez ça. Ouais, beaucoup trop dur. En fait, je pense que je. Déjà, le fait que je stresse. Ça me... Putain, vas-y, excuse-moi, c'est bon, allez, hop. C'est hors de question. Et le combat, il dure un quart d'heure. Un quart d'heure. Oh, oh là 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 là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer le combat. Parce que j'ai regardé avant ce que ça donne. C'est un enfer. Voilà. J'avais qu'à faire comme si c'était moi qui jouais.
concombre quoi, il... Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Donc même comme ça, on est pas bon. Attendez. Vraiment, c'est une galère. Je... Fou. Je me suis lancé, en fait, je voulais mettre... Voilà. A priori, ça va être bon, là. C'est vraiment le live de l'échec, hein. Mais au moins je serais allé entre guillemets jusqu'au bout. Par contre, celui qui joue est excessivement bon, il a perdu aucune vie. Ah non, c'est parce qu'il peut en récupérer aussi. Par contre, il s'est pas cassé le cul pour trouver les collectibles, hein. J'ai le double de ce qu'il a, sauf pour la vie. J'aurais jamais réussi. Jamais j'aurais réussi, c'est pas possible. Ou alors j'y aurais passé des semaines. Donc je pense que le truc il est en anglais, donc quand il l'aura battu, je vais remettre. Ah bah non. J'allais dire je vais remettre le jeu, mais non. Je suis con, vu que je l'ai pas battu, je pourrais pas. Ça se trouve, il y aura pas de parole. En vrai, bon, alors, le truc là, le Kamehameha Genkidama, ça aurait été chaud, mais en vrai c'est à peu près très faisable si t'as son pattern. Cette, en fait, elle paraît grave dure cette phase où il vole, mais il suffit juste ouais, de se phaser. Ah mais ça, cette phase-là, à chaque fois, on se fait avoir. Et ça, par contre, j'ai jamais su comment éviter. Ah ouais, tu fais le tour. C'est un peu le même pattern que un des boss qui nous balançait des trucs. Ah non, mais sérieux. C'est des sadiques, les créateurs du jeu. Il n'y a plus de missiles. Comme quoi, 211 missiles, c'est pas de trop. Hein. Oh là là. Et alors là, il est dans la merde parce que il s'est fait plaisir. Et il est obligé d'en récupérer si jamais ça lui en donne. Oh, ah ouais, 211 missiles, c'est vraiment pas de trop, quoi. Je me disais, je ne l'utiliserai jamais. Bon alors, à mon avis, moi, j'aurais tout utilisé en 2 minutes. Comment il peut ne pas perdre son calme? Il est stylé quand même le corbeau. Ah carrément. Ah ouais, ça annonce la couleur. J'ai pas besoin de ça pour te tuer, ville humaine.
cette phase elle est faisable. Je vois la faisabilité du pattern. Alors ça, ok, ouais, c'est gigabomb pour l'éviter. Ah mais pendant que t'es un gigabomb, mais vas-y, mais faut que ça se calme hein, ce jeu. Mais regardez. Mais sérieusement. Ça fait 7 minutes. Vous croyez sincèrement que j'aurais tenu 7 minutes? Et c'est pas fini. Je suis désolé, mais ça c'est juste vraiment, c'est du sadisme. Ou du masochisme. Ça dépend de comment, d'où on le prend. Et les joueurs là, les vieux joueurs qui disent oui, ça se termine en 10 heures. Mais les gars, soit vous faites juste ça de toute votre vie et vous avez aucune life pour être aussi fort dans un jeu, soit vous mentez, ça se termine pas en 10 heures, Metroid Dread. Et alors, si, oui, il y a des vidéos qui sont trouvables en même moins de 10 heures. Mais vraiment, les gens, ils ont aucune vie. En fait, là, je suis en train de regarder un sketch. Oh, un Tokyo apparaît. Ah, il va l'aider. Qu'est-ce qu'il a foutu là? J'ai pas capté. Putain, il a plus de bombes, il a 16 missiles, il a plus de coups de vie. J'espère que c'est la fin pour lui. Hein. Enfin, que j'espère pour lui que c'est la fin. Oh. Allez mon pote, tu peux le faire. Oh. Tellement stylé. Ah ouais, mais lui aussi il fait des esquives. Est-ce que t'as vraiment cru pouvoir me battre? Tu te surestimes tellement. T'as plus aucun rôle. Même ton ADN Metroid n'est plus nécessaire. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que maintenant, je peux faire une armée de clones qui est encore plus puissante que tous les Metroid. Samus Aran. Personne ne peut me battre, même toi. Ne peut se dresser face à moi. Pauvre fille. Ah, c'est sa fille! Laisse-moi la galaxie. Ferme les yeux et repose-toi. C'est sa fille. Samus est la fille de Bec de Corbeau. La puissance est tout. Il a bien dit daughter. Et non pas girl, donc c'est daughter, c'est une appartenance, c'est fille de manière filiale. Bec de Corbeau, c'est le père de notre... Quel noob de Samus. Après c'est possible, j'ai l'impression, et je connais pas trop l'univers de Metroid, mais j'ai l'impression que Samus est une... Wow. Spartan, c'est toi. Expérience 417. C'est plus ZR57, c'est 417. Mais par contre, waouh, putain, mais... Oh, j'ai l'impression que Samus est une expérience, donc il y a moyen en fait. Oh mais c'est... Oh, excuse-nous, badass. Ah du coup elle contrôle les X. Mais c'est quoi cette armure? C'est un mix entre... Waouh. Me dis pas qu'on va devoir se battre contre ça. C'est un mix entre Doomguy et Spartan et Master Chief et Samus. Ouais, c'est n'importe quoi, ils sont partis en couille. Hein.
partie d'Ama, quoi. Maintenant faut partir. Bah logique. Ah ouais. Mais du coup on va retour. Ah ouais, ok. D'accord, maintenant on nique tout quoi. On a vraiment. On peut. On est. Oh putain. Ça me tue. Maintenant on va être en capacité d'ouvrir le mur. Ah bon, on va pouvoir. Ah bah oui, on va pouvoir casser le mur sur l'autre planète. Enfin, sur l'autre zone, ok, et repartir du vaisseau. T'as pas tout vu, hein. Moi j'ai eu 100% à Anubia. T'es vraiment un Anub, Ya. Putain, c'est ouf, tu peux détruire tous les blocs. Tromper mon pote. Il va recommencer, il va devoir recommencer. Ah, il se sent pas bien là. Ah, quoique, non, il fait un gigato. Par contre, le chrono qui s'accélère de ouf à 2 minutes, c'est stressant. J'espère qu'il y a la musique, putain. Et je peux pas vérifier sinon ça coupe. Ça m'aurait stressé un petit peu, mais pas tant que ça, j'aurais réussi. Mais là, tu tires sur tout et tu regardes la carte, quoi. Oh. Ça, c'est vraiment un jeu. Hein. Comme par hasard, il se passe ça maintenant, quoi. Ah là là, c'est la gigaporte, là. Qu'on peut enfin avoir. Alors ça, c'est nouveau, ça, on n'a jamais vu. Il tire à l'aveugle. Ok, donc le truc il marche plus là. Ah, le vaisseau. Si tu fais ça, tu aspires toute l'énergie du vaisseau. Mais wesh, ça va. C'est bon. C'est un zombie. Oh la tête, t'es pas bien frérot, hein. Repose-toi. Et il s'incline. Putain, mais l'armure de Samus. Oh là 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 là, mais quelle classe. Adios, ZDR. Putain, c'était stylé, hein. Donc ok, voilà. Donc le mec a fait ça en 7h44. Et moi, je suis à 20 heures de jeu et j'ai même pas fini. Mais on va dire que j'ai quasi fini. Retourner au menu principal. Accepter. Voilà. J'ai quand même 86% d'objets, j'étais jamais allé au menu principal. J'ai Mais pourquoi j'ai joué 20h? Pourquoi mes lives ils font 20h? Et là je suis à 13h46. Je comprends pas. Ils ont dû pas compter les boss ou quoi. Là, l'ensemble de ma playlist Metroid Dread, c'est à plus de 20h. Donc en fait j'ai terminé le jeu en 13h45. Enfin non,
14 heures en gros avec le boss si jamais j'y arrivais. Ah putain, bah, ça va en fait. Bon bah les patounes, c'est une fin. C'est une fin de Metroid Dread. J'ai vraiment adoré ce jeu. Je me suis surpassé pour tous les boss et tout. Je vais faire une playlist des boss, un boss rush que je mettrai sur YouTube, sans le boss final évidemment. Et voilà. Sur ce, à très vite pour un prochain live et c'était vraiment un bon jeu. Je vous le conseille vraiment de ouf. La bisette, bisette. Ah non, j'ai raté, j'avais pas à calculer. C'est vraiment le live de l'échec. Attendez. Hop. C'était même pas un live en plus. Hop, voilà. La bisette. À plus tard.